On a certains clients qui ont principal critère de ne pas mettre des gens de couleur dans leur appartement. Pas de gens de couleur, pas de Kanak, pas de Wallis. Il y a quelqu'un qui est venu nous déposer un dossier, c'est un gars de Ponyriouin. Ouais, ça c'est un message. Je prends n'importe qui, mais alors pas les couilles, parce que après, ben, demain il y en a deux, après il y en a trois, puis après ça me fait une tribu dans mon quartier, tu vois. On voit bien qu'il y a encore un certain nombre de préjugés qui ne disent pas leur nom et qui sont assez difficiles à combattre. Parce que ça se fait au faciès, au nom. Oui, discrimination, oui. Discrimination, oui, j'ai ressenti. Comme ils disent ici, c'est une oreille. Il y a des attitudes, souvent, qui sont des attitudes racistes. Voilà. Et il y en a pas mal. Hein. Par exemple, on me disait enculé de Wallis. Alors, je ne savais pas où me placer parce que moi, dans ma famille, je suis métisse. C'est l'éducation qui fait ça. On peut toujours se méfier des gens qui ne sont pas de notre race ou de notre ethnie. Mais... C'est assez inquiétant, cette facilité à l'insulte raciale. L'insulte raciale arrive tout de suite au départ d'une agression, ce qui laisse à penser que c'est une parole qui se libère. C'est quel est le pays que nous rêvons? Quels sont les degrés de tolérance que chacun ait vis-à-vis de l'autre? On est à un tournant de l'histoire où il est impératif que l'on progresse sur ce terrain-là.